Et voilà, nous voilà pour le pour mon troisième live là. Déborah, est-ce que tu nous as retiré tes écouteurs? Ouais, ça va mieux. C'est mieux. Bon, tout le monde va en profiter dans la maison comme ça, c'est très bien. Fais, je prends mon petit déj avec vous en regardant la mer. Oh, tu as de la chance, Olivier. Donc, Richard, bienvenue sur le 24 heures live. Merci, bonjour. Salut, Lios. Bienvenue à tous. Je vais vous abandonner 5 minutes parce que là, il faut vraiment que j'y aille. J'en profite que des. Tu m'entends, Déborah? T'as un problème de micro. Mince. Bon, mais c'est pas grave, je vais rester. Donc, Richard, présente-toi, nous. Ah, Richard Morier, je suis auteur de romans de fiction. J'en ai publié une petite dizaine. Ils sont disponibles essentiellement sur notre boutique. Je vis dans un endroit qui s'appelle la montagne bourbonnaise, qui se trouve entre Vichy et Roanne, un endroit que personne ne connaît, c'est très bien. C'est une belle région. Et c'est une très jolie région de petites montagnes, oui, c'est très agréable. Ça ressemble un petit peu aux Vosges, au Jura, en plus petit. Et Ouais. puis, bon an, mal an, j'écris environ un livre par année, grosso modo, on va dire ça comme ça, quand je ne suis pas trop paresseux. Et j'ai 65 ans, et j'ai une vie très très occupée. J'étais directeur de cinéma, j'ai énormément voyagé, j'habite aux États-Unis, j'ai habité en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, à Bruxelles et à Paris. Maintenant, je me suis D'accord. arrêté depuis un petit moment ici. Et puis, je suis en train de réfléchir pour un nouveau départ sur les côtes atlantiques du côté de la Vendée ou de la Bretagne. Eh bien, effectivement, tu as une vie mouvementée. Ouais, c'est vrai que je suis tous les 10-12 ans, j'ai un cycle comme ça, il faut que les choses changent. C'est bien, c'est un cycle naturel, je ne pousse pas, c'est bien. J'aime bien, j'ai besoin de découvrir, et puis la montagne, ici dans des vallées, donc il n'y a pas d'horizon, et j'ai envie de respirer l'horizon de l'Atlantique. Oui, globe-trotteur, dit Voilà, un peu peut-être. Peggy. Du coup, moi, je t'ai lu, tu m'avais Ah, envoyé ce livre. le Père Voilà, Noël, ouais. je l'ai lu l'année dernière et c'est un livre qui est de saison en finale hein, et que En j'ai plus, adoré. ouais. Et je voulais te poser la question, mais je pense que je dois connaître la réponse. Tu n'as pas pu le mettre en film, celui-ci. Toujours pas, non. Non, non, Ouais. toujours pas. J'ai passé de longues heures à discuter avec tous les comédiens qui avaient été pressentis pour le film. Je devais le mettre en scène, on devait le tourner. Il y avait Thierry Lhermitte, Valérie Mérès, Bruno Solo. Lionel Astier, enfin vraiment c'était une sorte de dream team on pourrait dire. Et puis on a eu du mal à monter le budget. Quand le budget commençait tout doucement à se préparer, ça commençait à sentir bon. Le Covid est arrivé il y a 3-4 ans, 3 ans et demi maintenant, Ah ouais. et ça a tout bloqué. Tout Mince. le modèle économique du cinéma s'est bloqué, s'est arrêté. Et puis ça a toujours pas vraiment redémarré puisque une grosse partie de la population, enfin des spectateurs, s'est reporté sur les plateformes de streaming. Bah oui, du coup. Ce qui fait que, bah oui, on n'a pas retrouvé. Et puis donc, comme je ne fais pas partie du Sérail, que je n'ai pas accès au réseau, comment dire, des réseaux de professionnels, eh bien, ça ne se fait pas pour l'instant. Je suis prêt à partir le moment où ça se fera. Les storyboards sont montés, les contacts comédiens sont confirmés. Donc, on verra. Mais c'est aussi une façon de comprendre peut-être que mon chemin, c'est plutôt l'écriture. Parce Ouais. que, vous savez, quand on veut faire un film, tu mets deux personnes à une table de restaurant qui doivent se dire deux mots. Quand tu as fait le compte, c'est 2 jours de tournage, 3 jours de discussion, d'installation, de répétition. Cette scène qui va prendre 2 minutes à l'écran, elle va coûter 100 000 euros. Ah, c'est vrai. Moi, je peux faire la guerre des étoiles sur mon coin de bureau, ça va me coûter 1 heure et un café sur mon ordinateur. Aussi. L'écriture, c'est surtout un immense espace de liberté. Et le Ouais, cinéma, c'est un immense espace de négociation permanente. parce... D'abord, c'est 5 ans pour faire un film, le temps de monter le budget, de réunir tout le monde, d'arriver à faire coïncider tous les agendas. Et puis c'est un sport d'équipe, c'est génial. Et en même temps, chaque chose se négocie. Ouais. Je connais pas du tout le monde du cinéma. Non, mais alors, le monde du cinéma, il est merveilleux quand on regarde des films. Il ne faut rien pour rien savoir d'autre. C'est très bien. Les coulisses sont toujours très difficiles. On ne connaît pas, nous. Pardon, les. Nous, on est devant notre écran, mais tout ce qui se passe derrière. Faut pas le savoir, c'est comme un cuisinier, s'il vous dit tous ses secrets, comment Ouais. il doit égorger le lapin, et puis, etc., etc., on n'a plus envie de manger du civet de lapin. Et là, non, non, le cinéma,
C'est un média qui porte le romanesque de façon absolument extraordinaire, mais la cuisine interne, ça intéresse personne, et autant que ça reste secret. Ouais. Discret. Et bon, voilà, ça ne se fait pas, c'est pas grave, je me reporte totalement sur l'écriture. C'est un espace de liberté extraordinaire. La rencontre avec les lecteurs est très intime. J'y étais encore hier soir, j'y retourne tout à l'heure, cet après-midi. On fait des tournées de bibliothèque en ce moment, on rencontre des clubs de lecteurs. C'est un Ah, grand bonheur de faire ça parce que le rapport est beaucoup plus. Ouais, c'est un peu la même différence qu'entre le cinéma et le théâtre. C'est qu'on est face au lecteur, c'est quand même beaucoup plus. C'est plus cher. c'est plus enrichissant au niveau contact humain. Ah ben, moi j'adore ça. Ouais. J'adore ça. C'est des Bah gens tellement. Déborah aussi, tu aimes ça, les rencontres. Parce que Déborah, elle est auteure aussi, Gabriel C. Du coup, vous êtes tous les deux, vous aimez rencontrer les lecteurs. Et nous, on aime vous Lecteur. rencontrer. Alors, bon, les lecteurs, c'est en sens général, parce qu'il faut quand même bien savoir que 95% des lecteurs sont des lectrices. Oui. Des dames entre 40 et 70 ans. Donc, le cœur de cible, ce ne sont pas des jeunes gens. Les jeunes gens viennent rarement, Non. c'est pas du tout. Donc, on rencontre des gens qui prennent le temps de vivre, le temps de lire, le temps d'aimer le romanesque. Ça, c'est quand même des rencontres très, très agréables. Moi, j'ai un grand, grand plaisir de ça. Il n'y a pas d'urgence. Tout se fait à l'aise, comme ça. Donc tu fais énormément enfin tu fais plus des rencontres bibliothèques, des choses comme ça, plutôt que des salons, tu fais aussi des Ah, salons. alors, non, les salons, j'en fais plus. Non. Parce que être 50 auteurs comme ça, autour de 50 auteurs, autour dans un salon, que dès qu'il y a quelqu'un qui passe la porte, tout le monde le regarde avec des yeux de prédateur pour dire celui-ci va m'en prendre un, celui-ci va m'en prendre un. Et en fait, le gars, il passe de stand en stand comme ça avec les gens qui poussent à mesure qu'il approche. Et une chose que j'ai arrêtée aussi, c'est les dédicaces dans les magasins. Parce que là, j'ai l'impression d'être, où tu sais, comme on trouve en tête de gondole à Noël, les gens qui sont en train de présenter, est-ce que vous voulez goûter le nouveau saucisson cochenou avec le petit verre de champagne qui va bien? Ça, je ne peux plus, quoi. Je ne peux plus. Non. Je ne veux plus, ce n'est pas bon pour le moral, ça passe des journées entières. Et puis on dérange les gens qui sont dans un geste d'achat. Et les gens viennent dans une maison de la presse ou alors dans une grande surface, pas forcément pour acheter un bouquin. Et on les accroche sur un bouquin, ils ne sont pas du tout dans ce dossier-là. Et on est obligé de faire vraiment le camelot, quoi. On est obligé de faire l'article. Et je trouve que pour le moral, ce n'est pas bon. Ça dérange les gens. Donc maintenant, moi, je me limite essentiellement à des clubs de lecture dans des bibliothèques. Dans des endroits privés. On rencontre 10-15 personnes avec une rencontre, je dirais, beaucoup plus attendue pour 1 heure et demie. Je reste pas de la journée entière. Et pendant 1 heure et demie, on parle exactement de ce qu'on a envie de parler. On cible, les gens sont là pour écouter, pour rencontrer. Après, c'est terminé, on boit un coup, c'est fait. Et j'ai beaucoup plus de satisfaction à ces rencontres-là. Ah, comme quoi. Et puis, il ne faut Ouais. pas oublier non plus que. Auteur, c'est un sport solitaire. Donc, moi, je ne suis pas forcément. Passer une journée dans un magasin, ça m'épuise, quoi, pour faire le camelot. Alors qu'une rencontre comme ça avec 10 personnes, c'est régénérant, ça fait plaisir. Ouais. J'ai des questions. Enfin, j'ai une question de Lios. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu sur les réseaux, Lios Art. C'est un Lios. Québécois. Attends, je crois que. Est-ce que c'est pas lui qui avait gagné un livre la dernière fois que j'avais fait un live avec C'est Joseph? possible, c'est possible. Demande-lui Alors, si c'est ça. il te demande si tu pouvais échanger des dialogues entre deux de tes personnages de livres différents, quel père choisirais-tu? Si je pouvais échanger avec des. Enfin, si je pouvais dialoguer avec mes personnages. En fait, si tu prenais les personnages d'un livre qui dialogue avec le personnage d'un autre livre. Ah, c'est marrant comme question. Écoute, dans mes livres, en fait, moi, j'ai deux styles. J'ai un style plutôt dramatique où chaque livre pour moi est un voyage différent. Donc, il est difficile de faire du crossover, comme disent nos amis américains. Je peux difficilement échanger les personnages. Sauf peut-être pour les comédies, parce que j'ai des personnages qui sont un peu semblables. C'est-à-dire que dans les comédies, pour Le Père Noël a disparu, par exemple, ce sont des personnages. J'ai décidé, je voulais, quand j'ai écrit ce livre, passer. Le Noël idéal. Avant, j'étais directeur de cinéma et chaque Noël, le problème que j'avais, c'était quel film je vais mettre à l'écran. Le vrai film de Noël. On va voir que c'est sa grand-mère, c'est son petit frère, sa petite sœur. Et on sort avec les yeux comme ça, on a vu le Père Noël, il y a la magie de Noël, l'esprit de Noël.
Et donc là, j'ai voulu construire ce qu'on a ce qu'on appelle l'imaginaire collectif français, ce qu'on retrouve chez Pagnol, chez Giono ou alors dans les films de Don Camillo. Tu as un aréopage, un échantillonnage de la société, et tu as un instituteur, un patron de bistrot, un curé, etc. Et donc ces personnages, je ne peux pas les mettre dans mes drames, ça colle pas. En revanche, ils vont très très bien dans deux livres que j'ai faits. Le Père Noël a disparu, et l'autre, ça s'appelle Les Mystères du Château de Champalat, qui est aussi une bande voilà, c'est ça. Ce sont ces personnages. Les deux sont de la même veine. Donc, ils ont des dialogues. Alors, voilà. Si l'un pouvait aller parler avec d'autres, ceux du Père Noël pourraient très bien se retrouver pour faire un repas avec ceux du Champalat. Je n'ai pas lu le deuxième encore. Autant Père Noël, je me suis amusée avec ce roman. Enfin, il est très drôle, très. Enfin, c'est très. Moi, j'adorais. Je me suis Merci. bien amusée. Ah Merci. ouais, franchement, ouais. C'est à offrir, à lire pour Noël. Franchement, moi, et c'est pour ça que je te posais la question, savoir s'il allait être mis en film, parce que je vois tellement bien en film. C'est Il y la a des scènes. question qui, c'est la question qui, c'est la question qui me désespère à chaque fois, parce qu'à chaque fois que quelqu'un l'a lu, me fait la même réflexion. Quand je revois les anciens clients de mes cinémas, on me dit, quand je leur dis, mais qu'est-ce que tu as vu récemment? On me dit, oh, moi, je n'ai pas trop aimé. Qu'est-ce que tu aimerais comme film à l'écran? Il me parle sans le savoir du Père Noël. C'est-à-dire des films bienveillants, bon enfant, amusants, des comédies familiales. À Noël, il ne faut pas oublier que quand c'est Noël, tout le monde reçoit la famille, en principe, et le samedi après-midi, quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, On regarde un film. la grand-mère prend l'amalgama par dit, bon, on va aller au cinéma. Et c'est évidemment un film comme ça, avec en plus Ah Thierry Lhermitte, mais. Mais c'est donc la question qui me désespère, parce que les seuls qui ne l'entendent pas, cette question-là, les seuls qui n'entendent pas cette réflexion, ce sont les gens qui sont censés nous mettre à l'écran. Ce sont les ouais. producteurs, ceux qui doivent faire marcher l'argent. Et ils n'ont, ben, on m'a fait même une réflexion, alors ça m'amuse toujours, et la production m'a dit, ils m'ont dit non, parce que c'est trop bien écrit. Bon. Extraordinaire, non? Magnifique. Voilà. C'est trop bien écrit. Ah Ouais, ouais. c'est trop bien écrit. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut entendre là. Alors, moi, je l'ai entendu comme ça au premier degré, alors ils me font rire. Oui. Donc voilà, cette question, on a envie d'en faire un film, mais bien sûr. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui m'a dit, lire tes livres, c'est lire un livre en cinémascope. Ouais. Et je trouve ça assez pertinent. Voilà. Mais Parce du que coup, je. tu l'as écrit dans le sens où tu voulais faire un film ou À la base, c'était un scénario. c'est ça, c'est un scénario, d'accord. C'est un scénario, et quand j'ai vu que le film ne se faisait pas et qu'il n'aboutissait pas, j'ai dit, bon, ben, à la suite d'autres de mes livres, je vais en faire un livre, au moins l'objet existera. Ouais. Et là, de fait, l'objet existe. C'est-à-dire que même si le film ne se fait jamais, ce qui est possible, au moins l'objet reste et des gens l'ont dans les mains. Et ça, je suis assez content. Sachant qu'un film, tu sais, quand il se fait, maintenant, la durée de vie d'un film sur un écran normal, la première vie, c'est 3 jours. On le met à l'écran le mercredi. Le mercredi soir, ils savent que si le vendredi, ils le laissent. Les Ouais. résultats sont statistiquement déjà démontrés avec des modèles de calcul. Donc le mercredi soir, après la première ou deuxième séance, ils savent déjà s'ils vont le laisser plus tard. Ah ouais. Et au bout D'accord. d'une semaine, la plupart des écrans, ils zappent le film. Donc la durée de vie d'un film, c'est grosso modo une semaine. La durée de vie d'un livre, moi, le Père Noël, je l'ai acheté, je l'ai écrit maintenant il y a 3-4 ans. Il y a encore des gens qui l'achètent et à Noël, ils font revivre. Moi, je m'amuse toujours quand quelqu'un prend un de mes livres, comme le Père Noël. J'adore parce que, tu sais, c'est comme quand tu vas au théâtre, tu t'assieds dans le noir, le rideau est fermé, la lumière descend, et le rideau s'ouvre et la lumière s'allume, la musique commence à paraître, et des personnages rentrent, et la vie qu'on reprend. Et à chaque fois que quelqu'un ouvre un de mes livres, j'ai l'impression que l'histoire recommence, comme au théâtre. Et c'est un grand bonheur. Et on ne me parle pas oh, mais c'est un film qui est sorti il y a 3 ans, ça ne vaut plus rien. Ouais, Un non. livre, moi je lis des livres qui ont été écrits il y a 200 ans avec un bonheur immense. Merci. Le livre n'est jamais obsolète. Ah non, non, non. Quand Le il film est. plaît, on arrive à le partager et du coup, bah, il Ben continue ouais. à vivre. On a fait du film un objet de consommation. Le livre, grâce à la perte de lectorat que l'on a, redevient un objet précieux. Moi, j'ai plein de gens, ben, je pense que
que toi aussi, c'est marqué Gabrielle, donc je ne sais pas. Déborah, tu peux m'appeler Déborah. Pardon, Debbie, excuse-moi. Mais Déborah, tu as la même chose, c'est qu'il y a des gens qui s'en fichent de l'obsolescence d'un film ou d'un... Un livre, c'est toujours un cadeau qui se fait, qu'on garde. Il y a des gens qui demandent une signature et ils disent, mais je le dis, quand vous l'avez fini, prêtez-le. Et bien non, c'est mon livre. Ils s'attachent à l'objet. Ils veulent le garder. Et ils demandent une signature. Moi, je n'aime pas trop ça parce que je ne suis pas non plus Stephen King, il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que ma signature n'apporte pas grand-chose au livre. Mais le lien qui se crée entre le livre, le lecteur et moi, grâce à une petite signature, fait que ce livre devient quelque chose de précieux. Alors qu'un film en streaming ne devient jamais un objet précieux. Non, c'est vrai. Ça peut être un beau souvenir à la limite, mais jamais un objet précieux. Non. Alors que on regarde et c'est fini. L'autre jour, j'ai une amie qui me téléphone, elle me dit « J'ai trouvé un de tes livres dans une brocante. » C'est une femme que je n'ai pas vue depuis 4-5 ans. Elle me dit « J'ai trouvé un livre dans une brocante, c'est ton livre. Je l'ai acheté pour 2 francs 6 sous. » J'ai dit « C'est génial. » Et elle l'a lu, elle a dit « C'est une vraie rencontre. » Parce que son destin personnel correspondait au destin du personnage. C'est un livre qui s'appelle Claire à la robe orangée. Elle dit, je me suis totalement reconnu dans ton personnage. C'est une rencontre totalement improbable. C'est un bouquin qu'elle a trouvé par hasard dans une brocante très loin d'ici. Je trouve ça formidable. Je trouve ça extraordinaire. Un livre, il a une vie très longue comme ça. Aujourd'hui, avec le streaming, il n'y a plus de DVD, il n'y a plus de boîtier, il n'y a plus rien. C'est tout dématérialisé. C'est dommage. Le livre, moi, j'adore ça. Et les lecteurs acharnés, ils aiment ouvrir un livre nouveau, sentir l'odeur du papier. Exactement. C'est un bonheur. C'est ça. Un rapport à l'objet. Hein. Moi, je ne peux pas lire sur une liseuse. Non, moi non. Enfin, moi, j'en ai pas non plus. J'en ai pas. C'est pratique dans le sens où ça ne prend pas de place. Les livres, et puis ça coûte moins cher. Ça aussi, voilà. C'est vrai. C'est très, très vrai. C'est très, très vrai. Mais nous, on fait vivre les imprimés. On fait les livres papier. D'ailleurs, je profite pour donner, j'ai appris la fermeture d'une imprimerie à Vichy. Un homme qui a tenté l'aventure d'imprimer du livre en numérique, etc. C'est un des systèmes qui n'était pas système traditionnel. Il a tenté l'aventure et puis il n'a pas réussi. Donc j'ai appris malheureusement que Numélie a fermé ses portes juste récemment. Là. Et c'est la fermeture d'un. C'est comme fermer une librairie, fermer une bibliothèque, fermer un imprimeur. C'est une possibilité de ce qui fait disparaître les livres. C'est toujours dommage. Puis les petites maisons d'édition qui ont fermé à cause du Covid, là, ça fait mal aussi, ça. Ouais. Ah ben oui, ben, nous, on a résisté. Moi, j'ai choisi, je ne sais pas comment tu fais, Déborah, mais moi, mes livres, je les édite moi-même. Parce que comme j'ai couru pendant de nombreuses années pour trouver un financement d'un film, je ne vais pas me remettre à courir comme une poule sans tête dans la région parisienne pour essayer de vendre mes livres à des gens qui n'en ont rien à faire, qui ne m'attendent pas. Et encore, les grands éditeurs maintenant disent, à juste titre d'ailleurs, qu'il y a plus d'écrivains aujourd'hui qu'il n'y avait de lecteurs il y a 50 ans, ce qui n'est pas impossible. Donc, ils sont débordés de propositions, donc j'ai décidé d'éditer moi-même. C'est pas facile, mais on arrive à trouver un équilibre. En tout cas, je ne perds pas d'argent. J'ai la chance d'avoir un bon travail, d'avoir une bonne équipe tout autour. On ne perd pas d'argent. Je vais faire une petite pause de petites minutes là. Je vous abandonne. Je vais parler avec Déborah. Hein. À tout de suite. Oui, il n'y a pas de soucis. Oui. Oui. Donc, en fait, tu es dans l'auto-édition. Tu t'auto-édites. Ouais, bien sûr. Et sous forme d'association. Parce que la société, j'avais une société avant, mais c'était trop lourd. Administrativement, c'est beaucoup trop lourd. Donc, j'ai choisi l'auto-édition. Mais ça me permet de maintenir un contact très privilégié avec le lecteur. Ouais. Parce qu'un éditeur, il t'envoie dans des endroits, il crée des choses pour toi, ou il ne fait rien. Et toi, tu es toujours en train d'attendre ce qu'il va faire ou regretter ce qu'il a fait. Moi, je décide de tout. Enfin, moi, nous sommes 4 à travailler ensemble sur le projet. Il y a Dominique qui s'occupe de gérer le réseau Facebook. Il y a Muriel qui s'occupe de gérer tout le réseau des points de vente. Il y a Jean-Marie qui est mon associé depuis très longue date, donc il s'occupe de gérer un peu l'administratif. Et moi, je fais, j'écris. Je crée du contenu. Et on a cette équipe bien soudée et ça nous permet d'entretenir un rapport très privilégié avec les lecteurs. Moi, je connais quasiment tous mes lecteurs. On doit vendre en ce moment quelque chose comme 1000 ou 2000 livres par an. Je connais quasiment tous mes lecteurs. Waouh! Ah ouais?
Je les ai tous au moins une fois parlé sur Internet. Okay. Je cherche à entretenir un contact. Quand ils commandent un livre, je ne travaille que sur Internet quasiment. Quand ils commandent un livre, je note bien leur nom, pas pour créer un listing, mais pour entretenir un rapport avec eux. Et je trouve que c'est très important. Et le fait d'entretenir ce contact très proche est très agréable. On parle des livres, on parle de rencontres qu'ils ont fait avec les livres, avec les personnages. On parle de choses qui sont de l'ordre de l'émotionnel, de l'humain, de l'attachant. Et on ne parle pas de business. Un éditeur, c'est un rapport différent avec le lecteur. Parce qu'il crée ton image, il crée tout. Hein. Il crée ta couverture de livre, il crée ta quatrième de couverture, il crée tout. Et tu perds ton personnage. En fait, tu perds ce contact avec le lecteur. Mmh. Moi, j'ai un contact très intime avec mon lecteur. J'aime beaucoup ça. Oui, mais c'est vrai que tu as raison. Un éditeur, il est là pour faire de l'argent essentiellement. Maintenant, je ne dis pas qu'on n'écrit pas pour, à un moment donné, pouvoir au moins rentrer dans ses frais, mais c'est vrai que c'est complètement différent. Le contact, quand tu es en auto-édition, déjà, tu es libre, tu fais ce que tu veux, ce qui n'est pas le cas quand tu es dans une maison d'édition. Oui, tout à fait. Exactement. Personne ne me corrige, je choisis. Ouais. Ça va mieux ? Oui. Désolée. Ah, mais... Je ne vais pas écouter. Allez-y, continuez. Hein. Non, mais... on parlait de l'auto-édition. De l'avantage de l'auto-édition qui nous permet de garder un contact intime avec chaque lecteur. Le lecteur n'est pas un client. Pour moi, mes lectrices sont quasiment des amies. D'ailleurs, une fois par an, j'organise un repas pour notre petite maison d'édition. Pas loin d'ici, on a un snack au bord d'un lac. En été, c'est un endroit paradisiaque. Et on organise un repas, on est entre 30 et 40, des lecteurs qui ont lu, qui viennent avec leur conjoint, leur famille. Et c'est un moment de convivialité extraordinaire. Ça crée des liens extraordinaires. Ouais, c'est sympa. Ah oui, c'est génial. Ah oh, ouais. Ouais, mais wow. On refuse un petit peu de monde. On va refaire cet hiver à la demande de tous. On va faire cette fois un truc dans un chalet. On va voir ce que ça donne. Mmh. Bon, j'ai un truc, j'imagine, à base de fromage. C'est Dominique qui s'occupe d'organiser tout ça. Et c'est vraiment extraordinaire. Mais ça, c'est parce qu'on maintient. On a toutes les commandes sur le projet. Mm-hmm. Et c'est vraiment de grands moments. On s'est promené, on a fait des photos, on a fait des choses superbes. Ça, c'est magique. Quoi. C'est magique. Moi, je suis quelqu'un qui est très attaché au spirituel. Dans mes livres, j'impulse des intentions dans mes livres. Et dans les livres, il y a deux, trois choses qui me parlent. C'est la bienveillance, la lumière et puis l'abondance. Mais l'abondance, ce n'est pas l'abondance d'argent. Je ne veux pas dire que je m'en fiche parce que ce n'est pas vrai. Personne ne peut se ficher de l'argent. De notre jour, c'est difficile. Ne serait-ce que pour pouvoir continuer à rééditer les propres livres, les réimprimer. Mais l'abondance que je reçois, moi, à travers ce travail, c'est une abondance de contacts humains et de rapports humains. Et avec chaque lecteur, quand il rencontre des personnages et que tu mets ton cœur dans ces personnages, on le sait tous ceux qui écrivent le savent, tu rencontres le lecteur et tu le touches au cœur, et c'est le but de chacun de mes livres. Quand tu les rencontres après, ce lien particulier, c'est extraordinaire. Tout à fait. C'est extraordinaire. Et cette abondance de bienveillance, je ne veux pas parler d'amour parce que le mot est un petit peu grandiloquent, mais le rapport du lecteur au personnage dans des scènes d'amour, il est évident. Quand on écrit un roman romanesque, par définition, et qu'on a une trajectoire amoureuse dans ce roman, il est évident qu'il y a des projections, des transferts qui se créent. Et les lecteurs, ils s'identifient et ils vivent l'amour. Donc quand ils sortent du livre, ils restent avec cette émotion d'amour. Et cette émotion d'amour, quand ils rencontrent l'auteur, Parfois, il y a un petit frottement où il confond un petit peu l'écrivain et puis les personnages qu'il a rencontrés. Il y a cette espèce de petit lien. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas trop laisser s'installer, mais en même temps, c'est une chose extrêmement précieuse. C'est qu'il y a des gens qui te donnent leur cœur dans ces moments-là. Mmh. C'est très émouvant et c'est éminemment respectable. J'ai fait une erreur il y a une dizaine d'années au début de mon écriture où j'ai rencontré quelqu'un qui me disait... j'ai lu ce livre, et puis il était tout dans l'émotion du livre. Et moi, j'étais un peu pris de court, et je lui ai dit, moi, ça fait quelques années que je l'ai écrit, je suis passé à autre chose. Et j'ai vu que ça l'a éteinte. Ça l'a effondré, oui. Ah, mince.
parce que je lui éteins la lumière qu'elle avait prise dans le livre. Mmh. J'éteins son émotion. Et c'est une erreur que je ne fais plus jamais, ça. Même quand j'essaie dans chacun de mes livres de conserver ce petit étincelle émotionnelle pour quand un lecteur vient à moi, qui vient de le lire, qui me sort le prénom, la circonstance, le moment, tous les détails de l'aventure, alors à ce moment-là, je me remets dans cette situation-là et je peux lui mettre un miroir en face et lui rendre ce que moi j'ai mis dans le livre. Et ça, c'est très important, je pense. J'ai une petite question, c'est Peggy, je crois, qui a posé cette question. Ces contacts avec tes lectrices, les parler, etc., ça t'apporte de l'inspiration pour des prochaines histoires ? Est-ce que c'est Peggy d'Averton ? Oui, Peggy van der Rispain. Ah non, ça n'est une autre. Une autre Peggy. Évidemment, Déby pourrait le dire, Déborah pourrait le dire, quand ce que tu vis dans la vie, nourrit ton écriture. Alors, on ne reconnaît pas les personnages, on ne reconnaît pas les lieux, mais si tu es dans une histoire d'amour personnellement et que tu as cette vibration, évidemment que tu t'enrichis quand tu te projettes dans ton histoire et que tu commences à écrire ton histoire, évidemment tu as cette espèce de, comment dire, cette espèce de vibration de l'amour, tu l'as en toi. Mmh. Donc l'histoire amoureuse, c'est un exemple évident. Mais la haine ou la colère aussi, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, tous les sentiments, en fait. Voilà. Les ressources émotionnelles, elles transparaissent. Oui. Là, je viens de terminer un recueil de nouvelles qui raconte les voyages initiatiques d'un personnage sur 5 histoires, que j'ai appelées des histoires à rêver. Il y a une histoire, il y a des histoires qui sont très, que j'ai voulu très ouvertes sur la lumière. Il y a une histoire très sombre, que j'appelle les temps obscurs, qui est directement inspiré de ce que je vis actuellement dans le village où je vis. C'est-à-dire que c'est un village qui est en chaos de disputes, de gens qui manifestement ne vont pas bien dans leur tête. Et donc, évidemment, j'ai inscrit de la colère dans cette histoire. Et quand il a fallu démontrer ce que c'était que les temps obscurs, évidemment, c'était directement inspiré de ce que je vivais. Très directement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut reconnaître les personnages dans toutes les circonstances, mais il est évident que la veine émotionnelle, la vibration émotionnelle, elle est là. Ouais. Alors oui, l'amour surtout. Les écrivains sont des grands amoureux de leur personnage, de leur personnage déjà. C'est pas vrai, Déborah ? Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Oui. Voilà. Alors, je parle au masculin parce que je suis toujours très embêté, je n'aime pas dire écrivaine, je n'aime pas dire auteur, je ne sais pas comment dire. Non, mais oui, mais c'est vrai. Je dis auteur, mais... Ouais. Voilà, t'es auteur avec tout ton jeu. Voilà. Mon nom, c'est Gabriel C., donc masculin. Voilà. J'ai des questions de Lios. Alors, si tes livres étaient adaptés en parodie de films d'espionnage, quel serait le nom de code de ton personnage principal ? 008 ? Parce que le 7 est pris, paraît-il. Je ne sais pas. En fait... Un personnage, quand je l'invente, il n'a pas vraiment de nom. Il n'a pas vraiment de consistance. En fait, moi, je construis mon livre à partir de la mécanique dramaturgique. Une fois que je sais où ça rentre, où ça sort, et la mécanique qui va faire que ça va accrocher le lecteur ou pas, une fois que j'ai la mécanique, je fais rentrer des personnages, je les habille. Ils auront un prénom, un nom, etc. Donc, tant que je n'ai pas commencé un livre, et je n'ai jamais écrit de livre d'espionnage, il a pas de nom. Je n'ai pas de nom sous la quille de cela. C'est le personnage qui, en vivant, dans les débuts d'écriture, il y a des personnages qui changent de nom. Je dis, ah non, ça ne va pas. Finalement, je vais lui changer tout son nom. Il y a des personnages qui prennent de la consistance à mesure que tu les écris. Et ils prennent tellement de consistance que souvent, des personnages qui sont secondaires au début deviennent totalement essentiels sur la fin. Tu ne t'es pas aperçu que dans la cohérence que tu crées, ils prennent une trajectoire qui les rend extrêmement cohérents. Et tu ne peux pas dire un personnage qui a commencé une trajectoire, tu ne peux pas le faire changer comme ça. Donc, le nom fait partie de ces trajectoires. Donc, j'ai pas de nom. Alors, dans la jeune comédie, là, les mystères du château de Champala, il y a un fond, il y a un personnage qui a une ambiguïté de travail, d'espion, c'est pas très bien, c'est une comédie. Hein. Et il s'appelle Hyacinthe. Ah ouais. Mais bon, j'adore les prénoms anciens parce que ça donne des... Vous savez, c'est comme quand on regarde des films anciens,
tous les personnages, ils ont des gueules. Maintenant, tous les personnages de film, ils sont beaux. La beauté, oui, c'est sympa pour le jeune premier ou la jeune première, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des gens beaux? En revanche, les personnages qui ont des gueules, qui ont un gros pif avec un bouton dessus, oui, et qui savent parler, qui nous sortent des répliques ou des grandes tirades, on les aime, mais on s'en fout qu'ils soient moches. Et des fois, Michel Simon, il est moche comme tout, il était horrible cet homme-là, mais ouais, ça leur donne une profondeur. Ouais. Rému, Gabin, on peut dire qu'ils étaient beaux, ces hommes-là. On les a toujours connus vieux, en plus. On a toujours l'impression qu'ils ont toujours été vieux. Mais et ils ont une constante. Et moi, j'aime bien des noms anciens, parce que le nom ancien donne au personnage un grain particulier. Ouais, ouais, moi, une prestance, tu vois, quelque chose. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Et une femme qui s'appelle Berthe, c'est pas la même chose que si elle s'appelle Vanessa. Je suis désolé, c'est pas la même chose. Ah bah oui, bah Berthe, c'est dans Le Père Noël à disposition. Voilà, exactement. Ah, oui. Et j'aime ces personnages qui ont des noms comme ça. Et alors, je donne un secret qu'on peut utiliser. Moi, j'ai fait le tour des monuments aux morts. Quand je me promène dans les villages, je regarde les monuments aux morts, il y a des prénoms et des noms associés qui sont exacts. Et j'en ai trouvé dans une de mes nouvelles qui s'appelle Septime des Bouddhas. Et c'est vrai, ça, il existe, tu l'as vu. Il y a eu un Septime et il y a eu un des Bouddhas. Moi, j'ai rassemblé les deux pour éviter que des familles puissent se surprendre. Oui. Ça reste confidentiel quand même, on ne vend pas des millions de livres. Mais bon, Septime des Bouddhas, ce sont des noms qui ont existé. Et j'adore, parce que le personnage, quand tu dis Anita, il s'appelle Septime des Bouddhas, tout de suite, dans la tête, on a quelque chose. Tu sais, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que j'oublie à chaque fois, c'est un nom compliqué, la première phase d'un livre. Ouais. Elle a un nom. C'est un nom I que j'ai oublié. Alors, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va l'écrire dans le chat. Là. Et il y a, dans les personnages, il y a une façon d'écrire les personnages. J'ai en souvenir un auteur qui avait écrit quelque chose d'extraordinaire. Il devait décrire un personnage féminin et c'est la première phrase du livre. Il a écrit « Elle était une frange et un imperméable. » C'est tout. Je suis sûr que tous ceux qui entendent cette phrase ont dans la tête tout de suite un personnage qui apparaît. Mmh. Et il est à chaque fois différent. Bien sûr. Le personnage, il est campé. Et je pense que le nom et le prénom, quand je vous dis Septime des Bouddhas, vous avez dans la tête un personnage. Moi, je l'imagine moustachu, mais c'est vrai qu'on a envie de le voir avec une casquette moustachu. Ça crée un personnage. Mmh. C'est comme l'autre qui a fait « Elle était une frange et un imperméable ». Moi, je vois Jeanne Moreau dans Ascenseur pour l'échafaud, il y a très longtemps, avec la musique de Miles Davis. Et le prénom et le nom d'un personnage, c'est là Lios Hart a vraiment raison, c'est absolument essentiel. Mais on ne peut pas anticiper. Je ne me promène pas avec un stock de noms dans un carnet. Mais quand tu commences à faire vivre un personnage, tu lui mets un nom, tu dis non, celui-là, ça ne va pas. Et on laisse aller un peu, on écrit quelqu'un, et grâce à chercher remplacer, on change les prénoms partout, et c'est magique, et il y a des personnages. J'ai une petite fille dans le personnage a disparu, que j'avais appelé, je ne sais plus, Albertine, je crois. Et à un certain temps, je me suis rendu compte que... je ne sais plus comment je l'ai appelé. Ouais, Alphonsine, peut-être. Ouais. Et le prénom a changé, et le prénom prend tout de suite une rondeur, ou une douceur, ou une agression, quelque chose. Donc, j'espère que ça répond à la question. Je suis très bavard, il faut pouvoir m'arrêter aussi. Oh non, non. Ah, mais c'est intéressant, moi, j'aime beaucoup t'en parler. Tiens, j'ai une question d'Olivier Le Gall. Est-ce que certains de tes personnages te manquent quand tu as terminé un livre? Aimerais-tu leur offrir de nouvelles aventures dans un nouveau livre? Jamais de suite. Parce que moi, partir avec un livre, c'est comme partir en voyage. D'ailleurs, à chaque fois que je donne un livre à quelqu'un, je dis bon voyage. J'emmène vos lecteurs dans un voyage. Et moi, je pars en voyage avec mes personnages. Et quand j'ai terminé l'histoire, j'ai fini le voyage et je ne retourne jamais en vacances deux fois au même endroit. Le monde est trop vaste, l'imagination est trop vaste pour retourner deux fois au même endroit. Mais oui, je les porte en moi très longtemps. Je les aime vraiment d'amour parce que Déborah, c'est la même chose, j'en suis sûr. Je ne sais pas quel style tu écris, toi. Mais moi, tu sens les thrillers, mais oui. Ouais, donc même dans les thrillers, on s'attache aux méchants. Bien sûr. Parce qu'on les crée, donc c'est nos enfants. Hein. Alors, on les aime différemment, on les aime tous. Et mes personnages, moi je les aime et j'ai des personnages sur lesquels je rentre très profondément. Moi, j'aime beaucoup le style naturaliste. Donc on parle de Zola, par exemple, qui était un des grands initiateurs du naturalisme.
C'est-à-dire qu'on va prendre la profondeur du personnage dans sa profondeur d'âme. Donc, on va chercher en lui son âme. Les actes, je m'y intéresse un tout petit peu moins. Mais je m'intéresse beaucoup à leur âme. Et forcément, quand on rentre dans un personnage, dans son âme, comme ça, c'est une projection de nous-mêmes déjà, c'est certain. On lui fait faire des choses qu'on ne fait pas. Mais en même temps, c'est aussi nos enfants. Et en même temps, on vit avec eux pendant 18 mois. Moi, j'écris un livre, ça me prend entre 8 et 18 mois. Donc, on est très en intimité avec eux. Bien sûr que je m'attache à mes personnages. Et puis, ils sont toujours dans notre tête. Donc, c'est vrai qu'il y a un lien vraiment qui se crée avec eux. Enfin, moi, en tout cas, je suppose toi aussi, quand tu écris, je ne pense qu'à eux quelque part. Tu vois, On vit avec eux. Voilà, on vit avec eux. Ils sont là continuellement, en fait. Bien sûr. Ah ouais, non, c'est pour ça que... D'ailleurs, j'ai toujours un petit moment de recul avant de commencer un bouquin, parce que je sais que je vais me plonger et que la traversée va être longue. Donc, ça, d'abord, il faut du souffle, il faut des biscuits pour la route, et surtout, on s'isole du reste pendant un certain temps. Donc, quelque part, c'est comme si on décidait de faire un grand voyage tout d'un coup, et ce grand voyage, il va nous fatiguer. Donc, moi, je ralentis un petit peu le pas avant de me lancer, parce qu'on va s'immerger avec ces personnages. Et c'est vrai que c'est un état d'esprit. Quand on écrit une comédie de 300 pages, comme le Père Noël ou les autres, ou 250 pages, ça prend du temps, et on vit un état d'esprit, on vit un état d'émotion. C'est difficile, il faut s'isoler du monde en même temps. Donc, on reste avec eux pendant le temps qu'il faut. Moi, en tous les cas, je vous ai lu tous les deux. Moi, le Père Noël, j'ai adoré. L'autre, j'ai hâte de le lire. J'en ai tellement à lire, mais je vais le lire. Mais franchement, j'ai adoré le Père Noël. J'ai rigolé, j'ai pleuré. Il est vraiment top. Donc, je peux comprendre que tes personnages, c'est du mal à les laisser partir. Ouais. Il y a Peggy qui dit, elle a rebondi par rapport à ce que tu disais, que tu étais un grand bavard. Elle a dit, on adore t'écouter. Donc voilà. Merci Peggy. Alors j'ai une question encore de Lios. Comment ton personnage principal réagirait-il à la découverte que ses actions sont délibérément manipulées par des forces extérieures au sein de l'univers littéraire? Oh. Je te laisse relire. C'est intéressant. Alors, je vais répondre indirectement. Quand j'ai signé un contrat pour le Père Noël a disparu au cinéma, je devais abandonner la propriété du préquel et des séquelles, évidemment, éventuelles des prochains, donc la propriété de mes personnages. Donc, quelque part, c'est un peu cette problématique-là. Et j'ai détesté ça. Et une des raisons principales pour lesquelles j'ai rompu ce contrat, d'ailleurs avec des gens qui n'étaient pas du tout capables de porter le projet jusqu'au bout, c'est parce que je perdais le contrôle de mes personnages. Donc, je vivrais très, très mal que mes personnages aient un destin qui échappe au contexte du livre. Parce que comme ils ont une trajectoire dans le livre, ils ont une trajectoire ensuite dans l'imaginaire des gens, et je détesterais que mes personnages soient décidés par d'autres, que leur trajectoire soit orientée par d'autres. Parce que dans mes personnages, surtout dans les comédies, ce sont des personnages qui ont beaucoup de bienveillance. Les méchants de mes livres, il y en a toujours un ou deux, je me régale toujours à les écrire parce que les personnages méchants sont savoureux, je leur crée leur propre destin moi-même. Je n'ai besoin de personne pour leur régler leur compte. Et c'est toujours, vous savez, c'est le moment clé du livre quand il y a un méchant qui se prend une gamelle, il y a le lecteur qui fait yes! Exactement. J'adore ce moment-là, mais il m'appartient et je détesterais que des forces extérieures au sein de l'univers littéraire s'emparent de mes personnages pour leur faire vivre autre chose. Je trouverais ça absolument désespérant. C'est une partie, c'est d'ailleurs une des libertés de l'écriture, c'est que nos personnages nous appartiennent. Ouais. On le négocie avec personne. Ensuite, j'ai perdu une question, je me suis trompée sur le bouton. Allez-y, discutez. Ah, c'est là. Discutons. Je l'avais perdu, désolé. Alors, comment ton personnage principal réagirait-il si les administrateurs introduisaient un élément de distorsion temporelle provoquant des sauts imprévisibles dans le temps de son histoire? Bon, alors, première chose, Lios Art, je ne sais pas ce que tu prends, mais je veux la même chose. Ça va beaucoup m'aider, j'adore. Et la Moi, il n'a pas question, dit. alors,
Alors, administrateur, j'imagine, c'est dans Matrix, c'est dans la matrice temporelle. On va penser, je penserai à ça. Je ne pense pas que c'est les administrateurs de ce compte, de ce site. Un élément de distorsion temporelle. Alors, les éléments de distorsion temporelle existent et nous en sommes, nous, les maîtres. C'est nous, les administrateurs. L'intention que nous mettons dans chacun de nos actes influe sur la trajectoire, nos trajectoires personnelles et indirectement sur la trajectoire de nos personnages. Donc, l'hypothèse que, Lios, tu exposes, elle existe déjà. Et c'est ma trajectoire, c'est mon intention qui influe sur la trajectoire. Et il influe de façon, ça influe de façon très inattendue. Parce que c'est un art d'arriver à diriger sa propre trajectoire et, incidemment, celle de nos personnages. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais voilà. En tout cas, merci de ces questions, elles sont extrêmement distrayantes. J'aime beaucoup. Et en plus, mais mine de rien, c'est pertinent, parce que si on arrive à trouver le bon sens pour l'apprendre, ouais, deux fois de suite, c'est une question qui a du fond, qui a du sens. Il y a toujours des très bonnes questions, Lios. Là, ouais, c'est une question de Peggy. Peux-tu nous parler des autres livres, à part celui du Père Noël, pour nous faire découvrir, oui, ce que tu as écrit? Pardon, oui, je suis un très bon question que je voulais te poser aussi, ça, parce que là, j'ai présenté les deux que j'avais, mais je ne les ai pas tous. Alors, en fait, quand on sort des comédies, on va laisser de côté un peu les comédies. J'ai écrit essentiellement pour l'instant trois drames. Le premier s'appelle La septième lettre. C'est l'histoire de personnages qui habitent une maison à 80 ans de distance. Certains, un couple en 1914 et un autre couple en 1994. Il y a 80 ans entre deux. Ils ont des destins totalement, des trajectoires de nouveau, mais des destins totalement différents, parce que nous pensons, nous, vivre dans une modernité éclairée, merveilleuse et formidable. Et ceux qui vivent dans le passé, on a l'impression qu'on vit dans des temps sombres et épouvantables. Sans angélisme, 1914, évidemment, à la veille de la Première Guerre mondiale, n'était pas un endroit très heureux pour vivre. Mais 1994 est à la veille de transformation de notre société. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'assurance dans notre société et pas autant d'inquiétude qu'en 1914, pour d'autres raisons qui sont bien entretenues. Mais donc, moi, j'essaye, à travers cette passerelle temporelle, qui est une chose que j'aime beaucoup, créer des comparaisons dans des trajectoires de personnages. Ceux de 14-18, ils sont amoureux, parce que c'est quand même deux belles histoires d'amour en parallèle. Ont leur amour, évidemment, contrarié par le départ du jeune homme à la guerre. Ceux de notre société moderne, ils sont contrariés par les contingences de notre société moderne et par une maladie. Quelque part, la guerre est une maladie de la société, et la maladie aujourd'hui est une guerre de notre société contre l'individu. Alors bon, c'est un peu expliqué comme ça, c'est pas tout ça, moi je le fais de façon beaucoup plus naturaliste. Donc ces deux personnages, ces deux groupes de personnages se rencontrent dans leur vie présente, mais à travers des lettres qui sont retrouvées, qui existaient de 1914, où les deux amoureux s'envoient cette lettre, ça s'appelle la septième lettre. La septième lettre est la lettre fatidique que le gouvernement envoyait, enfin, le ministère de la guerre envoyait aux veuves pour les prévenir du décès de leur mari ou de leur conjoint. Voilà la septième lettre. Voilà, quelle pertinence, mais quelle percutance formidable. Merci. Super. Ah ben justement, j'allais noter le titre, Nathalie. Donc, tu vois. Merci. Donc en fait, ces personnages, ils sont confrontés à leur vie. Mais surtout, ce sont deux belles histoires d'amour. Moi, j'aime le naturalisme qui a été initié par Zola il y a 150 ans, maintenant à peu près 140 ans, et en fait, aller dans la profondeur de l'âme. Et là, ceux de 14-18, dans cette maison que j'imagine, qui existe vraiment, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent le bocage bourbonnais, qui est une zone de bocage qui ressemble un peu au Limousin, un peu, c'est une zone bien vallonnée et très, très douce à vivre. Cette maison est là-dedans, en 14, j'ai imaginé que cette maison était un orphelinat, enfin un endroit de passage où on recueille des gens orphelins pour les fabriquer, pour les envoyer dans les fermes et l'armée ensuite, faire des ouvriers ou des valets de ferme. Et de l'autre côté, en 14-18, c'est une maison achetée par un particulier. Ces deux couples ont des histoires et en parallèle sur cette maison. J'adore cette histoire parce que pour moi, ça m'a permis aussi de présenter l'opposition de deux sociétés. On ne se rend pas compte, mais je pense qu'entre 1914 et aujourd'hui,
les sociétés ont tellement évolué, elles sont tellement différentes, c'est un monde tellement différent, où par exemple, simplement, l'échelle humaine n'a plus, comment dire, ne peut plus parler, n'a plus voix au chapitre. Si vous voulez demain prendre un coup de voiture et descendre vous baigner pour le week-end à Marseille, c'est aucun problème. En 14, seuls les hommes voyageaient quand ils partaient au régiment, à part les bourgeois, évidemment, qui voyageaient pour d'autres raisons, mais les seuls qui partaient, on ne partait jamais pour son plaisir, les hommes partaient pour le régiment, les femmes ne voyageaient jamais. Elles restaient à la maison, elles allaient à la foire une fois par mois ou une fois par an, c'est tout ce qu'elles faisaient. Donc, la magie de nos transports aujourd'hui, c'était le voyage d'une vie pour un homme de cette époque-là. J'aime bien ramener l'être humain à son image de bipède. Par exemple, si vous voyagez aujourd'hui à pied, et vous êtes sur une légère hauteur, vous allez parcourir 25 km par jour, 30-40 pour les plus vaillants, pas très longtemps, pas beaucoup de jours, mais en un jour c'est possible. Quand vous vous levez le matin, si vous êtes sur une légère hauteur, vous voyez où vous allez dormir le soir. Alors qu'en 1914, c'est impossible, c'est impossible, d'un coup de voiture vous êtes à Marseille, d'un coup d'avion vous êtes à New York, d'un grand coup d'avion vous êtes à Sydney, aux antipodes. Donc, le rapport à la distance, je ne sais pas comment le dire, mais le rapport à la distance se réhumanise. Moi, maintenant, si je devais retourner aux États-Unis, j'ai vécu en Arizona un certain temps, si je devais retourner aux États-Unis, je jure que je n'irais pas en avion. Je veux y aller en bateau, pas trop rapidement. Je veux que la distance se réinstalle. Je veux avoir le sentiment que l'Amérique est loin. Ouais. Je veux le sentiment que l'Australie est au bout du monde, qu'il faut 10-15 jours de bateau pour y arriver. Et si j'arrivais qu'une journée de retard, c'est encore meilleur. Parce que maintenant, je connais des gens qui vont à l'autre bout du monde et qui râlent parce que l'avion a 2 heures de retard. Je dis, mais vous êtes peut-être à l'autre bout du monde. Quand même, c'est l'histoire d'une vie, il y a ne serait-ce qu'un siècle en arrière. Les mecs, ils mettaient 3 mois pour aller dans les colonies en bateau. En bateau, ouais. Maintenant, on va en 5 heures à New York, alors qu'il fallait 5 jours en bateau rapide. Je veux dire, et j'adore revenir les gens à leur dimension humaine. Si maintenant, quand tu tournes le robinet, il n'y a pas d'eau qui coule, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut aller dans la rivière chercher de l'eau avec un bassin. Il faut remplir un bassin, il faut allumer un feu dessous. Mais il faut une matinée pour prendre un bain. Tout à fait. C'est pour ça qu'on prend un bain une fois par mois. C'est que c'est un boulot de dingue. Rendre à l'humain sa vraie dimension, sa vraie dimension humaine, et c'est un grand bonheur parce que votre fenêtre tombe, si vous devez la faire vous-même, combien de temps ça va vous prendre de refaire une fenêtre? On ne va pas la commander chez Bricomarché ou Brico-Dépôt, je ne sais pas quoi, et ramener une fenêtre dans l'heure et la poser. C'est un monde, et ça rend au geste humain, à l'âme humaine, toute son importance, toute sa profondeur, toute sa grandeur, tout dans le geste humain des métiers. Comment pratiquer un métier sans connaître le bois? Il faut savoir où le bois, comment il a poussé, quand il a été coupé, comment il a été séché. Il n'y a que comme ça que tu sais que le bois va bien se comporter sur la durée. Une fenêtre en plastique, tu peux la sortir n'importe quand de l'année, elle va tenir la même chose ou ne pas tenir la même chose. Ça, c'est une chose, rendre à l'être humain sa vraie dimension. Et la 7e lettre, ça a été prétexte à ça. Donc, les histoires d'amour sont belles. Et puis, je me suis beaucoup... Dans les portraits des personnages, alors là, dans la 7e lettre, il y a des méchants. Il y a des vrais méchants, et ces méchants, je les ai soignés. Mais en même temps, je leur fais un destin. Et dans chaque méchant, il faut savoir, c'est peut-être les personnages les plus humains. Parce qu'eux, ils ont une faille humaine. Et on n'est pas méchant pour rien. On était mal élevés, on a eu des malheurs, des tristesses. Et ça, c'est important de donner aux personnages une dimension humaine. Le jeune premier, qui est beau, qui est jeune, qui est en bonne santé, qui est amoureux, mais il n'a aucun mérite d'être sympa. S'il n'était pas sympa, c'est lui qui serait un vrai salaud. Si en plus, malgré tout ça, il devient méchant, il dit « mais t'es vraiment un salaud, toi, t'as toutes les chances ». Alors que des gens qui ont des parcours difficiles et qui se retrouvent méchants, qui sont disgracieux, qui sont mauvais, qui ne sont pas gentils, qui ont un mauvais caractère, qui sont trompés par leur femme, par exemple, par leur mari, qui ont été abandonnés, ces gens-là ont toutes les raisons d'être méchants. Ouais. C'est cette faille humaine qui est intéressante dans le méchant. Tout à fait. Alors, j'ai écrit aussi un autre roman parce que je vois que l'heure avance et que notre
On arrive à 52 déjà, il me reste 8 minutes. Il faudra qu'on fasse un live ensemble parce que là, c'était hyper intéressant. Il y a plein de... Enfin, oui, oui, franchement. Oui. Ouais. Bon, alors on arrête là. J'ai d'autres questions. Mais, voilà. Vas-y, lance une question, il faut satisfaire les gens qui posent des questions. Il y a Victoria B qui demande si le progrès te fait peur parce qu'elle enchaîne sur ce que tu dis. Ah, ça dépend quel progrès. Pour moi, le progrès, ce n'est pas, c'est pas Black Friday, c'est sûr. On est en plein dedans. Oui, je m'attendais. Le progrès, pour moi, c'est de retrouver un chemin de spiritualité. Je n'ai pas dit de religion. Non. Un chemin de spiritualité, non, c'est-à-dire la vraie profondeur d'un être humain, ce n'est pas d'aller à 120 à l'heure ou 150 à l'heure à l'autre bout du pays. Le vrai progrès, c'est de retrouver le contact avec le vivant, le contact avec l'humain, le contact avec simplement son voisin, s'il n'est pas trop désagréable, le contact avec les arbres que l'on plante, sachant qu'on ne les verra, on ne mangera pas les fruits, parce qu'il faut, 50 ans pour faire un beau noyer et qu'on sera déjà mort. La vraie sagesse, c'est de retrouver la dimension. Ça, c'est le vrai progrès. Ouais, retrouver la dimension humaine et la dimension de la spiritualité qu'on a perdue. Que certains peuples premiers qui subsistent encore, certains aborigènes, certains peuples premiers dans quelques jungles oubliées, ont conservé, c'est-à-dire la faculté de percevoir la vibration du vivant. Ça, c'est un progrès. C'est vrai. Tout à fait. Une dernière question, peut-être 53. Encore une question de Lios. Si tes personnages organisaient une intervention pour te faire face à tes erreurs d'écriture, quelle serait leur principale critique ? Alors, je vais de nouveau à Lios répondre différemment. La question que je me pose très régulièrement, c'est si j'avais 16 ans maintenant, est-ce que je serais heureux de rencontrer l'homme que je suis maintenant, 50 ans plus tard ? Alors, je ne vous donne pas la réponse, parce que ça me regarde. Mais c'est vraiment une question que je me pose. Et je suis heureux quand la réponse est positive. C'est-à-dire que, est-ce que j'aurais, si j'avais 16 ans, avec les questions que je me posais à 16 ans, est-ce que je serais heureux de passer un après-midi avec moi et de parler avec moi ? Et est-ce que j'en tirerais quelque chose ? Quelque chose de positif, d'élévateur, de lumineux ou d'illuminant ? Je m'efforce chaque jour, quand j'échange avec quelqu'un, de lui apporter, sans être grandiloquent, un peu de lumière plutôt que de l'obscurité. Et des portes qui s'ouvrent plutôt que des portes fermées. Voilà. D'accord. Donc mes personnages, je ne sais pas ce qu'ils m'approcheraient, mais moi, Richard Morier, quand j'avais 16 ans, est-ce que je serais heureux de rencontrer le Richard Morier d'aujourd'hui ? Quelquefois, je suis content. Des fois, je me dis, ah, t'aurais pu faire mieux sur ce coup-là. Mais sur mon parcours d'écriture, je n'ai pas grand-chose à me reprocher. J'ai la faiblesse de croire que j'ai donné le meilleur de moi. Ça veut dire que je ne peux pas faire mieux. Voilà, je suis désolé, je ne peux pas faire mieux. Maintenant, le prochain roman sera peut-être mieux. Je ne sais pas. Mais sur ceux qui sont déjà écrits, j'ai fait à fond. Quoi. J'ai tout donné. En parlant de tes écrits, j'ai trouvé celui-ci. Nathalie, c'est un roman. Voilà, à Chris. Alors ça, c'est un roman dystopique. Alors, en deux mots, c'est évidemment, quand on dit dystopique, on sait ce que ça veut dire. C'est un roman où le monde s'écroule. J'ai eu l'idée et je l'ai écrit avant le Covid, et le Covid raconte la même histoire pour des raisons différentes. Comment est-ce qu'un monde peut s'écrouler pour rien du tout ? La fragilité de notre monde organisé. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Alors, les survivalistes américains, pour nos amis canadiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se tirent dessus, ils s'assassinent pour manger la dernière boîte de haricots à son voisin et tuer le voisin pour lui avoir cette dernière boîte de haricots. Moi, je dis, la solution, puisqu'on parlait de progrès avant, c'est je ne tue pas mon voisin, je partage ma boîte de haricots avec lui et on apprend à planter des haricots ensemble. Donc ce livre, qui est un livre d'effondrement, qui était une chose très à la mode, qui a été et qui l'est maintenant de plus en plus, c'est surtout un livre d'espoir parce que je dis que ce n'est pas en s'entretuant qu'on va y arriver, c'est en se mutualisant à la mode de ce qui existait avant. L'homme, l'être humain, dans la nature, ne peut pas survivre seul. Il ne peut survivre que s'il tend la main à son voisin et que son voisin lui tend la main. Au risque de se faire mordre, hein, parce qu'il y a dans le monde, il faut le dire, il n'y a pas d'angélisme de nouveau, il y a des salauds et des connards. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça, mais en même temps, il y a des gens formidables. Ouais. Ici, dans mon petit village, il y a 2-3 ans, il y a eu une tempête de neige. La neige est tombée, 1 mètre de neige, c'était tout bloqué, plus d'électricité, plus de télévision, plus de téléphone, plus rien. Tout s'est arrêté. Qu'est-ce que les gens font ? Eh bien, ils sortent dans la rue, ils regardent le voisin, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Le voisin dit, je ne sais pas. T'as du chauffage ? Non.
Oh, moi, j'ai un peu de bois. Ah ben, viens chez moi, tu pourras. Et il amène sa gamelle, il va manger chez le voisin. C'est la première chose que l'être humain fait. Il est inquiet par nature. Il va chez son voisin qu'il détestait le jour avant. Et il se dit, il n'y a plus que lui. Tu ne vas pas le tuer en plus. Il n'y aura plus que lui. Ouais. Voilà. Donc, un Christ, c'est ça. Et il y a 5 groupes de personnages sur toute la planète qui vont converger vers un lieu qui est mon village, pourquoi pas, en me disant, il y a un lieu d'espoir, un lieu lumineux, chacun le sien. Moi, c'est celui-ci que j'ai choisi. Stephen King a tout écrit de sa petite ville de Bangor, qui est dans le nord-est des États-Unis. Personne n'avait jamais parlé dans le Maine. Ouais. Ouais, et il a rendu cette ville célèbre alors qu'il n'y a rien de raison, aucune raison qu'elle soit célèbre. Ben, mon village, je me suis dit, pourquoi pas, plutôt que New York ou Los Angeles, ça sera là. Et j'ai 5 groupes de personnages qui convergent vers cet endroit, qui est un endroit de lumière pour créer justement quelque chose de différent dans la lumière. Et quand je signe un livre comme ça, je mets toujours « Bon voyage vers un monde qui devra être nouveau ou qui ne sera pas ». Et le dernier livre dont on peut parler en 2 minutes, je vais simplement vous dire l'accroche. Claire, une femme de 68 ans, rentre dans un bistrot parisien. Elle s'assied à une table. Elle va pour commander un café. Elle attend que le garçon vienne à elle. Et au bar derrière elle, elle entend une voix. Elle connaît cette voix. C'est la voix d'un homme. Elle le connaît par cœur. Elle se retourne. C'est lui. C'est l'homme qu'elle a perdu quand elle avait 20 ans, qu'elle habitait Paris, dans la Sorbonne, pendant les événements de 68. Et c'est lui. À cela près qu'elle a 68 ans, elle, lui, il a toujours 20 ans. Oh. Le temps qu'elle se retourne, qu'elle prenne ses affaires, il n'est plus là. La porte se referme du bistrot. Elle court dehors. Elle ne le voit plus. Donc, le livre se passe à rechercher cet homme qu'elle a revu pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire. Et elle vit ça comme un songe. Ça me permet de réexplorer avec elle son enfance sur les bords de la Loire à Nevers, sa vie, le parcours de sa vie, sa trajectoire de vie sans cet homme. Et quelle est cette question essentielle, mais qui c'est ce gars qu'elle a vu dans ce bistrot et qu'elle va revoir à la fin du livre. Mais je ne vous délivre pas la clé. Oh. Évidemment, par contre. Je vous réserve ça pour les 3 dernières. Ça s'appelle Claire à la robe orangée. Et j'ai appelé ce livre comme ça parce qu'il y a un groupe de musique que j'adore, c'est Feu Chatterton. Parce que Arthur, qui écrit les textes de Feu Chatterton, qui est le chanteur de Feu Chatterton, est un vrai grand poète. Et dans une de ses chansons que j'adore, il parle de Juliette à la robe orangée. Et je lui rends cet hommage sans le dire. Mmh. Claire à la robe orangée, c'est en pensant à ce poète extraordinaire qu'il est et ce chanteur rare qu'il est. Voilà, vous savez. Bref, vous savez tout. Autrement, il y a le livre à sortir, les autres. Bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler peut-être un autre jour. Tout à fait. 11h. On a fait juste, mais c'est bien. Tu avais dit 11h, Nathalie, hein, c'était prévu 11h. Oui, c'était 11h. Il y a tellement de choses à parler. Je vous ai perdu, parce que j'essaye de parler. Ah oui, là. Claire à la robe orangée. Voilà, je n'ai pas trouvé la photo à temps. Mais il y a tellement d'autres choses, d'autres questions que j'aurais voulu aborder avec toi. Mais bon, là, on n'a pas trop le temps. On va laisser la place à nos collègues, à nos amis. En tous les cas, j'espère qu'on refera un autre live parce que là, j'ai découvert les chemins de la Lune et je voudrais que tu nous en parles. Mais là, malheureusement, on n'a plus le temps, tout simplement. 1 heure, c'est trop court. Bah, écoute, je préfère ça que le contraire. Oui. Et en tout cas, merci mille fois de m'avoir reçu. La forme de conférence est celle que je préfère. Moi, je suis comme les chats, je suis un territorial, je déteste partir loin de chez moi. J'ai été faire des conférences pour l'Alliance française. J'ai dû aller à Zurich pendant 3-4 jours. J'étais merveilleusement reçu. C'était formidable. Mais j'ai horreur des voyages. J'étais à Zurich en Suisse. J'ai horreur des voyages. Donc, se rencontrer comme ça, tous les jours, s'il faut, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Merci. Merci à toi, Richard. Vraiment. Puis on se dit à bientôt. Merci à tous d'avoir été là aussi. J'étais enchanté de te connaître. Moi aussi, franchement, c'est une très belle rencontre. Merci beaucoup, Richard. Bon, on fera un live. Merci, gros bisous. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.